Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la notion d'espèce de structure et pour cela je vais m'appuyer sur trois articles que sont d'abord l'article d'André Joyal, une théorie combinatoire des séries formelles, et deux autres articles qui présentent également la même notion mais de façon plus illustrée. Donc l'article de Qu'est-ce qu'une espèce de structure et Introduction to Species of Structure. Et de ces deux articles, je vais tirer la plupart des illustrations que vous qui sont dans cette présentation. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la motivation pour définir l'espèce de structure, puis je vais définir l'espèce de structure et comment les dénombrer. Et après, je vais vous présenter comment on peut combiner ces espèces de structures. Alors, tout d'abord, on peut vouloir faire du dénombrement en utilisant des techniques de séries formelles. Donc par exemple, ici, je vais démontrer l'identité de Van der Monde en utilisant cette simple égalité de série formelle. On peut, en développant les coefficients, obtenir le calcul suivant, qui nous donne très rapidement l'égalité de Van der Monde. Et donc ça se fait sans avoir à chercher de bijection entre des objets et juste en faisant des calculs. Une deuxième motivation, c'est de pallier à la description peu agréable d'utilisation qui est faite par Bourbaki des structures. Donc en effet, Bourbaki décrit les structures avec des axiomes. Donc là, ici, par exemple, on a la description d'un endomorphisme. Et cette description, elle est lourde et elle permet pas facilement d'en faire du dénombrement. Donc là, par exemple, un endomorphisme, c'est des couples tels que, quel que soit un élément dans U, on trouve il existe un unique couple tel que le second membre du couple est dans phi et le premier membre aussi. Donc bon, c'est pas très pratique. Donc la notion de structure va résoudre ça en utilisant notamment la notion fondamentale de transport de structure. Donc, qu'est-ce que sont les espèces de structures? Donc, une espèce de structure, c'est une structure sur un ensemble. Donc, cet ensemble, ce sera l'ensemble sous-jacent. Donc, ici, par exemple, on a pour l'ensemble U, A, B, C, D, E, F, on a une structure dessus qui est un arbre enraciné, où donc l'ensemble étiquette les sommets de l'arbre. Donc, on peut dire que la structure, c'est. On a donné une structure à l'ensemble U. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est donc ce que j'ai expliqué, c'est le transport. Et donc, on écrit non seulement la structure qu'on a donnée à U, mais aussi comment passer d'une structure sur U à cette même structure, mais sur V, une fonction bijective entre U et V. Donc, on notera usuellement sigma. Oui, voilà. Et donc là, par exemple, on a cette fonction qui se traduit comme ceci sur l'arbre par un simple réétiquetage. Donc en général, le transport est quelque chose de très simple, comme un simple réétiquetage, mais ça permet quand même de caractériser notre structure. Donc de façon abstraite, on pourra représenter les F structures par quelque chose qui relie dans une certaine façon des points d'un ensemble ici. Donc ça, cette notion sera très utile par la suite pour avoir des propriétés sur les structures. Donc plus formellement, on peut dire qu'une structure, c'est un foncteur entre les ensembles et leur bijection, entre la catégorie des ensembles avec bijection et la catégorie des ensembles avec bijection. Donc on transporte à la fois les ensembles U vers un U avec une structure et les fonctions entre deux ensembles en une fonction entre deux structures. Et on vérifie les propriétés d'un foncteur. Et donc, comme beaucoup de foncteurs qui donnent une structure, on a un adjoint à gauche qui est le foncteur d'oubli, qui juste à une structure lui associe son ensemble sous-jacent. Donc, quelques exemples de structures, une espèce de structure. Donc, le premier, c'est les sous-ensembles d'un ensemble, ou les parties d'un ensemble. Donc pour un ensemble A, l'ensemble des
structure sur A, ça va être l'ensemble des sous-ensembles sur A. Et comment on transporte un sous-ensemble de A? Et bien simplement, on prend son image par sigma. Donc c'est très simple. Ensuite, l'espèce des permutations, qui est l'ensemble des permutations. Comment on transporte une permutation? Et bien on la conjugue par notre bijection. Donc ça, même si ça paraît a priori pas forcément très naturel, en fait ça correspond vraiment à changer les étiquettes comme on l'a fait sur l'arbre. Mais juste pour les permutations, il se trouve que ça se fait avec conjugaison. De même façon, on peut avoir d'autres exemples qu'on utilisera par la suite, comme l'espèce des cycles, qui sont les permutations cycliques, l'espèce des dérangements, qui sont les permutations sans point fixe, l'espèce des listes, qui sont les fonctions de 1n dans notre ensemble, l'espèce des ensembles, qui a un ensemble A, qui est l'ensemble contenant l'ensemble A, l'espèce des singletons, qui est l'ensemble vide si A n'est pas un singleton, et sinon le singleton contenant A. Et donc maintenant, je vais vous illustrer comment la notion de transport de structure est importante à travers un exemple, parce que on pourrait se dire que l'espèce des listes et l'espèce des permutations sont deux espèces similaires, et en fait, globalement, on pourrait se dire, bah, de toute façon, S de U, donc les permutations sur l'ensemble U et les listes sur l'ensemble U, c'est des ensembles qui sont en bijection, donc c'est bon, c'est quasiment les mêmes. Mais en fait, si on fait ça, donc par exemple avec une bijection F, donc la bijection elle est définie comme ceci, j'ai numéroté les lettres de 1 à 4, et ça c'est notre élément de départ et notre élément d'arrivée dans notre permutation. Donc là on a la fonction de A à A, de B à C, de C à B, de D à D, donc on peut le voir là. Et donc on va regarder d'un côté ce qui se passe quand on transporte par L de sigma, où sigma est juste un décalage de 1 dans l'alphabet. Donc on obtient, comme j'ai expliqué, en réétiquetant B, D, C, A. Puis on applique F et on obtient la permutation A, B donne D et D donne A et C donne C. Et de l'autre côté, on peut regarder ce qui se passe quand on applique F. Donc on obtient A donne A, B donne C, C donne B et D donne D. Puis on applique donc la même bijection sigma, mais cette fois-ci transportée du point de vue des permutations. Donc encore une fois, ça fait exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on va juste réétiqueter les lettres. Donc là, le B devient un C, le C devient un D, le D devient un A et le A devient un B. Et on voit que quand on a fait F puis S de sigma, c'est pas la même chose que faire L de sigma puis F. Autrement dit, ce diagramme ne commute pas. Et donc ça, effectivement, c'est ce qui nous montre que, en fait, le transport des structures dit que L et S sont différents, alors que l'ensemble de L de U et F de U sont en bijection. Et quand on a juste la bijection, sans que le transport des structures soit le même, on parle de structure équipotente et on notera F équivalent à G. Donc maintenant on veut donc définir un isomorphisme ou une égalité entre espèces. Et donc ça, comme on est dans le langage catégorique, on veut passer d'un functeur à l'autre. Et donc c'est évidemment une transformation qui doit être naturelle, c'est-à-dire que ce diagramme va commuter. Et donc plus particulièrement, nous on veut des transformations naturelles qui induisent des bijections. Donc on parle d'isomorphisme functoriel. Et quand entre deux espèces, on peut trouver un isomorphisme functoriel, on va juste dire qu'elles sont égales et les noter comme égales. Et donc un exemple presque non trivial qui peut être donné, c'est par exemple les arbres enracinés. Si on les représente par une fonction qui a un élément associé son ascendant, donc qui par exemple à x associe le parent de x dans l'arbre, on peut, ça c'est une espèce, et on peut aussi la voir comme
l'espèce des fonctions contractantes. Par exemple, une transformation naturelle objective, ça serait de, pour la fonction p, lui ajouter le point fixe à la racine. Et donc comme ça, on a une fonction contractante. Donc ces deux espèces sont isomorphes, donc dans la suite, on pourrait les considérer comme égales. Donc maintenant, on veut s'intéresser à dénombrer les espèces. Et donc, pour ça, il faut se faire la remarque qui est assez évidente, mais très importante, qui est la suivante, c'est que si les ensembles sous-jacents ont le même cardinal, alors le cardinal des espèces d'ensembles sous-jacents sera égal. Donc si cardinal de U égale cardinal de V, alors cardinal de F de U égale cardinal de F de V. Ça, c'est évident parce que si on a une bijection entre U et V, ça se traduit par notre foncteur, par une trajection, bijection entre F de U et F de V. Et donc on peut donc considérer F crochet qui est donc F sur l'ensemble 1n, parce que donc on ne s'intéresse pas aux éléments mais juste au cardinal de l'ensemble. Et donc nous ce qui nous intéresse c'est donc le cardinal de F crochet n, donc le nombre de structures à n éléments. Et donc pour ça on va s'intéresser à la série génératrice de F qui est juste la somme, la série génératrice de coefficients cardinal de Fn sur factoriel n. Donc évidemment, si F est équipotent avec G, on aura l'égalité des séries génératrices, mais l'inverse n'est pas vrai comme on l'a vu avec les permutations et les listes à n éléments. Donc quelques exemples de séries génératrices avec les exemples de tout à l'heure. Les listes, il y en a évidemment factoriel n de taille n, et les permutations c'est pareil, ce qui nous donne la. C'est la fonction génératrice 1 sur 1 moins x. Évidemment, comme c'est des séries formelles, on n'a pas besoin de se préoccuper de la convergence. Pour les permutations circulaires, on a factoriel n moins 1 permutation à n éléments, ce qui nous donne la fonction génératrice log de 1 sur 1 moins x. Pour les dérangements, nous les verrons tout à l'heure. Pour les parties d'un ensemble, on a 2 puissance n partie d'un ensemble à n éléments, ce qui nous donne la fonction génératrice exponentielle 2 puissance x. Pour les ensembles, on a exactement un ensemble à n éléments, cardinal est 1 plutôt, et donc il y en a exponentielle x. Et pour la fonction indicatrice des singletons, ça nous donne un seul élément, donc x. Pour ça, c'était pour les structures où on s'intéresse à l'étiquetage. Donc là, par exemple, si on prend les arbres au sens graphe connexe acyclique à trois feuilles, on a trois arbres. Mais en fait, si on s'intéresse que à la structure sous-jacente, on voit que c'est toujours la même, c'est toujours trois points comme ça qu'on peut représenter si on ne s'intéresse pas aux étiquettes. Et donc ça, on peut le voir si on s'intéresse uniquement aux structures à équivalence près, où l'équivalence est définie comme ceci, Sc(t) de F structure, S est équivalent T si on peut passer de F S à T par un isomorphisme. Et donc on regarde l'ensemble des F crochet, on regarde l'ensemble F crochet n quotienté par cette relation d'équivalence, et donc nous, ça nous donne les types de structures. Et donc, on peut s'intéresser à la série génératrice des types, qui est notée F tilde, et qui est juste F crochet n, enfin le coefficient cardinal de F crochet n quotienté par la relation d'équivalence. Donc, comme on peut le remarquer ici, on n'a pas la division par le factoriel n. Donc ça se justifie par l'introduction d'une nouvelle structure, F tilde, où F tilde, c'est plus seulement une F structure, c'est aussi un automorphisme de S une F structure. Et donc si on considère F tilde comme une structure et qu'on considère sa série génératrice, on obtient F tilde de X. Et si on considère cette fois-ci la série génératrice de type de F, on obtient aussi F tilde de X. Et donc, évidemment, on avait fait en sorte que f tilde de x est égal à f tilde de x pour qu'il n'y ait pas de confusion possible.
Et donc la disparition du facteur ln s'explique pour avoir cette égalité. Donc, quelques exemples de séries génératrices des types. Les listes à n éléments, si on enlève les étiquettes, il n'y en a qu'une seule. Mais attention, les permutations, ce n'est pas le cas, parce qu'une permutation où on n'a que des points fixes, et une permutation où on a un grand cycle, c'est pas la même, même si on ne s'intéresse pas aux étiquettes. Les ensembles, c'est simple, il y en a un seul. Donc ça nous donne la série génératrice 1 sur 1 moins x. Et les singletons, il n'y en a de nouveau qu'un seul, mais seulement que quand il y a un élément. Quand l'ensemble sous-jacent est un singleton. Donc ça nous donne x. Donc maintenant, on peut s'intéresser à combiner ces structures. Donc on va définir quelques opérations. Donc par exemple, on peut vouloir s'intéresser à une structure sur F ou sur G. Donc c'est F plus G, donc on peut représenter comme ceci. Et donc plus formellement, qu'est-ce que c'est? L'ensemble des structures F plus G sur A, c'est l'ensemble des structures F de A, union disjointe avec l'ensemble des structures G sur A. Et les bijections sigma se transportent soit comme sur F, soit comme sur G. Donc ça, c'est naturel. Et donc, on est content parce que les séries génératrices et séries génératrices de type passent très bien avec l'addition, c'est-à-dire que f plus g de x fera f de x plus g de x, et f plus g tilde de x fera f tilde de x plus g tilde de x. Donc là, j'ai pris un exemple un peu stupide, c'est si on note 1 de a, la structure indicatrice de l'ensemble vide, c'est-à-dire que c'est l'ensemble vide si A n'est pas l'ensemble vide, et sinon c'est le singleton contenant l'ensemble vide si A égale 0. Et donc 1 plus x, c'est l'espèce des ensembles à moins d'un élément, donc soit l'ensemble vide, soit un singleton. Et donc on peut comme Comme ça ça, on calcule la série génératrice, la série génératrice de type de 1 plus x. Donc tout seul, c'est pas très intéressant comme on a pu le voir. Et donc je vais introduire une nouvelle opération qui est le produit. Donc le produit de FG, c'est une structure en partie sur F et une structure en partie sur G. C'est-à-dire que si on a un ensemble U, on va avoir certains éléments qui auront une F structure et d'autres qui auront une G structure. Donc plus formellement, l'ensemble FG, enfin l'ensemble des FG structures sur A, c'est l'union disjointe sur toutes les partitions de A, BC, où on a le produit des cartésiens des F structures sur B et des G structures sur C, où B et C sont les deux parties de A. Et donc on transporte les bijections en les transportant sur F d'un selon F d'un côté et selon G de l'autre, évidemment. Et donc là, pour le coup, donc de nouveau, on a compatibilité avec les séries génératrices, donc FG de x et F de x fois g de x, et FG tilde de x et F tilde de x fois g tilde de x. Donc tout se passe bien. Donc là, on va pouvoir faire des exemples un peu plus intéressants. Donc par exemple, les listes, en informatique, on sait, c'est défini par récurrence comme la liste vide où un élément est une liste. Et donc là, c'est exactement ce qu'on a, c'est un élément, soit la liste vide, donc l'ensemble vide, soit un élément et une liste. Et donc ça nous permet de calculer les fonctions génératrices et fonctions génératrices des types pour les listes en écrivant juste l'équation. Un exemple encore plus intéressant, c'est pour calculer la fonction génératrice des dérangements. Et bien, on peut remarquer qu'une permutation, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de points fixes, donc c'est juste un ensemble de points, et un dérangement. Donc c'est tout ce qui n'est pas les points fixes. Et donc ça se traduit par cette égalité de structure qui dit que une permutation, c'est un ensemble et un dérangement. Et cette égalité de structure se traduit en une égalité de série génératrice. Et comme on connaît déjà la série génératrice des permutations et celle des ensembles, on a immédiatement que la série génératrice des dérangements, c'est exponentielle moins x sur 1 moins x. Donc la dernière opération que je vais vous présenter, c'est l'opération de substitution ou de composition, qui est un peu plus subtile. Donc
FG structure, enfin F rang G structure, c'est une structure F où pour chaque nœud entre guillemets de F, on a mis une G structure. Et ces G structures, elles sont sur des bouts de l'ensemble sous-jacent. Donc si ça c'est notre ensemble sous-jacent, il va être réparti entre toutes les G structures qu'on va mettre dans F. Donc là par exemple, on a les 5 points. Et on retrouve les 5 points là entre différentes G structures. Donc en fait, c'est vraiment une F structure avec sur lesquelles on a mis des G structures. Donc là, formellement, on impose que G de l'ensemble vide, ça soit l'ensemble vide. Et ainsi, on a que la F rang G structure sur A, c'est l'ensemble de l'union disjointe sur une partition de A d'une F structure sur les partitions fois toutes les G structures sur chacun des bouts de la partition. Et comme les choses sont bien faites, on a comme pour les polynômes où le polynôme P c'est égal au polynôme P de X où X est le polynôme 0, 1, 0, 0, on a que F la F structure est égale à F appliqué à la structure X, donc I F égale F de X. Et donc, encore une fois, on n'a que F rang G de X est égal à F rang G de X, mais, et là, c'est là qu'est tout le problème, c'est que FG tilde de X n'est pas égal à F tilde rang G tilde de X en général. Et donc, ça c'est un vrai problème qu'il va falloir résoudre, donc on le résoudra tout à l'heure. D'avoir une illustration. Ici, par exemple, j'ai une permutation. Et une permutation, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre qu'un ensemble de cycles. Et donc, effectivement, c'est ce que traduit cette relation. Permutation, c'est égal à ensemble composé avec cycles. Donc, effectivement, on comprend bien que les n éléments d'une permutation se retrouvent dans tous les différents cycles. C'est pas un ensemble de permutations à n éléments, de cycles à n éléments. Donc S égale ensemble composé avec cycle. Donc ça donne cette équation sur les séries génératrices, et pas les séries génératrices de type, où là ça ne fonctionne pas. Et donc ça nous permet de calculer la série génératrice des cycles. Et donc maintenant on veut s'intéresser à résoudre le problème que j'ai expliqué, qui est que pour les types, la composition ne fonctionne pas. Et donc pour ça, on va s'intéresser à la série indicatrice. Donc d'abord, je vais définir ce que sont que les sigma i. Et donc pour une permutation, sigma k, ça va être le nombre de cycles de taille k dans sigma. Et donc avec ça, on peut définir la série indicatrice de f sur une infinité de variables, x1, x2, etc., qui est la somme infinie de n égale 0 jusqu'à plus infini de 1 sur factorial n, fois la somme sur toutes les permutations à n éléments du nombre de points fixes de f sigma multiplié par x1 puissance le nombre de points fixes de sigma, x2 puissance le nombre de cycles à deux éléments de sigma, etc. Et donc cette série indicatrice, elle a des propriétés très intéressantes parce que elle passe à la composition. Donc z de f rang g égale z de f rond z de g, elle passe à l'addition et elle passe à la multiplication. Et donc, effectivement, c'était déjà le cas pour les séries génératrices, mais surtout, de ça, on va pouvoir en déduire donc non seulement les séries génératrices, qui ne nous importent pas forcément parce que on l'avait déjà la composition pour celle-là, en l'appliquant. Donc, pour la série génératrice, ça va être f de x, ça va être juste zf de x 0 0 0 et f tilde de x ça va être zf de x x2 x3 etc. Et donc ça c'est très intéressant parce que ça nous permet de calculer la série génératrice des types pour des structures où on a fait des compositions. Donc ça nous permettrait par exemple de calculer la série génératrice des types des permutations circulaires. Donc pour conclure, on a vu que les structures
Vous pouvez décrire les structures de façon élégante et les caractériser relativement précisément avec le transport de structures. Et que avec ça, on avait des structures qu'on pouvait combiner et on pouvait tirer des informations sur le dénombrement de ces structures avec les séries génératrices. Et que les opérations combinatoires qu'on fait sur les structures passent. Ou au moins on essaye de les faire passer dans les séries génératrices qui nous permettent de dénombrer facilement des structures complexes. Donc évidemment, il y a d'autres façons de combiner les structures que je n'ai pas abordées, comme le produit cartésien, le pointage ou la dérivation. Mais donc si vous en voulez savoir plus, vous pouvez toujours regarder les articles originaux d'André Joyal ou de ses collègues.